Bonsoir Sébastien. Voilà, donc cette petite vidéo pour te dire ce que je pense de ta formation. On cherchait, ma compagnie et moi, à investir dans l'immobilier, mais on savait très bien que la location nue, ça rapportait pas grand-chose, voire rien du tout, voire perdre de l'argent. Donc j'ai fait des recherches sur Internet. Et en voyant tes vidéos, en découvrant tes vidéos sur YouTube, ça m'a fortement intéressé de savoir qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant de la courte durée. Mais je ne savais pas du tout comment faire. Donc on a été sur ton blog et on a lu un peu tout ce que tu recommandais, la façon de faire. On a mis du temps à se décider pour pouvoir réaliser ça. Pour s'inscrire, faire ta formation, pour avoir plus de détails. J'ai mis du temps parce qu'il y a quand même une bonne tartine pour lire tout ça, hein, toutes tes vidéos, toutes tes transcriptions de tes recommandations, de ta formation. C'est très détaillé, tu rentres dans des points précis et ça nous a permis d'acheter un premier appartement qui est maintenant en location de courte durée. Nous estimons, puisqu'on va faire, on va pas pouvoir s'en occuper réellement nous-mêmes, donc on délègue la totalité de la gestion, ce qui fait qu'on n'aura plus du tout à s'en occuper. Et on estime pouvoir réaliser 400 euros de cash flow mensuel. Et ça, c'est grâce à ta formation. On a suivi pas à pas la façon d'acheter, la façon de faire, les déclarations légales, tout ça. Je recommande fortement pour ceux qui veulent faire de la location courte durée de faire ta formation pour rentrer dans le détail et faire les choses correctement, proprement et arriver à de très bons résultats. Une chose aussi, c'est que sur ta page Facebook, tu es hyper réactif, c'est à croire que tu as ton téléphone accroché à toi, parce que lorsqu'on te pose une question, tu réponds quasiment dans l'heure. Donc c'est assez impressionnant. Alors je te dis un grand merci, c'est que notre premier appartement, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup Sébastien, à bientôt.